Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui, présentation de mon dernier projet sur une Corvette Z06 C7. Donc voilà l'outil, parce que là il y a un vrai outil. Covering complet du pavillon en noir laqué, démontant, du haillon, un effet d'embossage texturé avec le nom de la voiture, Corvette. Ensuite, covering partiel en noir mat de l'arrière de la voiture avec une déco assez dynamique en gris alu texturé. Je ne sais pas si on devine. Voilà. Et un blanc à paillettes, mais comme le soleil ne veut pas, donc ce blanc est appelé Diamond. Avec du noir laqué également pour contraster un peu avec le noir mat. Le rappel de la version de la voiture, à savoir le C7. Ensuite, covering du capot partiel avec déco assorti aux côtés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le logo tête de mort avec les yeux qui reprennent le logo Chevrolet. J'en ai profité pour faire une protection carrosserie sur la partie basse la plus exposée du pare-choc. Donc tout ça, toute la partie fine. Donc voilà, un gros gros projet pour moi. Je suis vraiment content, le client m'a quasiment laissé carte blanche. Quoi d'autre? Des petites choses en noir mat, notamment l'adresse de mon site internet. Sur le montant du pare-brise, un petit clin d'œil aussi. Donc on va en profiter qu'il y a du soleil pour aller voir ce fameux blanc Diamond. Voilà, joli. Et donc voilà, le covering noir poursuit tout l'arrière. Petit rappel avec une tête de mort, toujours avec ce côté asymétrique que j'aime bien, ou croppé, c'est-à-dire un peu coupé comme ça. Et puis mon logo, propriétaire a bien voulu que je mette mon logo dans des proportions assez conséquentes. Puis comme les couleurs sont assorties, ça va, ça passe. Néanmoins, il est posé sur la partie vitrée, ce qui permettra le jour ou l'autre de l'enlever. D'ailleurs, même le reste peut être enlevé. On peut aller faire un tour de plus près pour vérifier la finition comme j'aime. Donc je vous disais, voilà, gris texturé alu brossé, blanc diamond. Ici, noir mat, donc covering sur toute la partie basse, tac. Tout ça, hop. Forcément, on fait aussi l'intérieur des passages de roue parce que c'est une utilité de protection, mine de rien, c'est pas que de la déco. Donc voilà, super fier de ce projet, en souhaitant qu'il m'en apporte d'autres. Sur ce, bonne fin de journée à tous, à bientôt pour de nouveaux projets, bye!